Bonjour à tous, cette semaine, impossible de passer à côté de la sortie du tome 29 de One Punch Man qui est sorti le 13 juin, dans lequel notre héros, pendant que lui fait la rencontre d'un étrange cube, à la surface, les combats battent leur plein pour terrasser les lieutenants de l'association des monstres. Et nos héros sont en difficulté, et ça c'est sans parler du cœur énergique de Genos qui en fait vraiment des siennes. Quant à My Hero Academia, grande nouvelle, triste nouvelle, c'est officiel, Koei Horikoshi a annoncé la fin de la série qui a priori se terminera à peu près au 42e tome. Donc c'est le moment plus que jamais de profiter de nos héros avant qu'ils nous quittent et vous pouvez retrouver la majorité des tomes d'occasion dans nos rayons. Pour l'occasion, toujours ne traînez pas, on a actuellement les 15 premiers tomes de Chainsaw Man, qui est une série que vous aimez beaucoup, dans lequel le personnage principal Denji fusionne avec son chien démon Tonzu Pochita et puis part à la chasse d'autres démons. Et c'est aussi le cas des 7 premiers tomes de Sekamoto Days que vous pouvez retrouver dans nos rayons. Et puis enfin, l'intégrale d'occasion qui est à l'honneur cette semaine, c'est l'intégrale des albums doubles de Death Note que vous pouvez retrouver dès maintenant au 13 bis rue Lanterne. À la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.